j'ai assez de crédit pour faire un drap? Dis-moi, j'ai assez de crédit. Oh, c'est bon, mec, je peux faire un drap. Oh, là, là, là. Ma première drap de ma vie, les gars. On est pas là. Je peux faire la première drap de ma vie en vidéo. Oh là là, j'ai assez de pièces, rien de draft quoi, j'aurais fait quoi. Moi qui était trop nul là, ça j'aurais récupéré quand même la récompense. Si j'en ai, pas lié. Oh, je peux faire ça du coup. Ah ok, mais ça je m'en fous. Non, ce qui m'intéresse. Je vous montre un peu mon équipe, hein, voilà. Ils sont tous en fin de contrat, c'est une blague. Mon pote, vous êtes tous en fin de contrat, oui. Je le dis. Kylini, on va lui rajouter. Lui, on va essayer de rajouter. Allez. C'est droit aussi qui est en fin de contrat. Les gars, je me dépêche, on vous inquiète pas. Voilà, boum. Voilà, t'as 28 contrats en plus. Et les gars, on est parti. Je vous montre un peu, voilà. Je vous montre un peu, voilà. Il y a mes amis ici, bien sûr. Face d'Ator Pelly, qui est premier. Mais nous, on n'est pas là. Nous, on est là pour faire la draft solo, les gars. Les gars, je vais mettre en semi-pro parce que j'ai pas envie de me faire éclater. Oh, la première draft de ma vie, wesh, je peux y croire. Incroyable, les gars. Ça c'est pas mal. Non ça c'est nul. Oh mais mec, Zary, il y a des campos nuls. Bon allez, je prends ça. Les gars, il y a Messi. Allez, je prends Messi. Oh, faut... Ah ouais, pour aperçu des sélections, faut rester appuyé. Ah ouais. Ah ouais, Messi, il va pas trop dans ma compo. Hein. En vrai, je crois que je vais prendre Ozil, hein, les gars. Parce que Messi, il va pas trop dans ma compo. En vrai, je sais pas, les gars. Et là, mais si les gars, je peux pas le prendre, il va pas dans ma compo. On aurait go l'avoir en mais si. AD, je peux pas, ben les gars, on prend Zil. Hein. Pas le choix. C'est quoi cette touche? Complétons mon équipe. Putain. Mais je puisse une touche complétée. Non, je vais pas le faire en fait. Parce que ça, je me dis tout seul. Allez, on part pour les réservistes, les gars. L'icône. Oh là là, parfait. Oh là. Ouh là là. Non, mais je peux pas la prendre, l'icône, parce qu'elle va pas dans ma compo. Lui non plus. Les gars, on va prendre de rien. Hein. Oh les gars, quand même mon gardien, on va prendre des rayons. Vas-y les gars, je craque, j'ai un premier Messi, c'est bon. Et Messi, j'ai aucune idée où mettre. Ouh, on a Ter Stegen. Donc à lui, cadeau. Non. Oh les gars! Ok, j'appuie sur une mauvaise touche. Super! Bon les gars, on a une bonne équipe, hein, je vais te dire. Oscar, je l'ai jamais vu de ma vie, lui.
Ouais, mais les gars, mais l'équipe elle est trop bien, wesh. Je remettrai. Cancelo là. Arnold. Il va bien que le avec Marquinhos. Je peux mettre au point normal. Oh, la note elle augmente. Elle augmente la note. Oh, punaise. Les gars, j'ai mis. Ah ouais, parce qu'en fait, c'est Sergio Ramos. Il va mieux avec Sergio Ramos. Boum, 80. Oh ouais, mais si, il va trop vite, Ter Stegen. Ah ouais, mais gros. Oh, il y a deux rails aussi. Mais de rails, il va que. Oh, mais Ozil, en vrai, il va bien avec. Avec Müller. Il est bien sur le mur. Ok, là, les gars, on va prendre une bonne équipe, bien sûr. J'ai fait n'importe quoi en complétant mon équipe. Je suis un teubé, frérot. Je suis un gros teubé. Voilà. Choisis l'entraîneur quand même. C'est cool. Elle est nulle ma draft. Bon allez hein, je te dis hein. Ah bah par contre on va pas jouer quand même. Non. Comme ça quand même. Quand même je suis pas là pour le collectif hein. Je vous dis direct. Je suis pas là pour faire un record du monde. Oui, on va mettre des bons trucs. Hein. Oh, on est bon là. Punaise, je suis deck. Sans pouvoir manger ton drapeau. Les gars, je me suis mis en semi-pro, les gars, parce que j'ai pas envie de perdre, quoi. Je veux des récompenses. Punaise, pourquoi tu as complété mon équipe? Je suis un gros teubé, moi. Putain. Et putain, pourquoi j'ai complété mon équipe? Merde! Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Pierre Ménès dans le stade Odromo pour vous commenter cette rencontre. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Dans les buts, Yann Oblak. Sergio Ramos sera là en défense avec Marquinhos. Léo Messi sera associé à Paul Pogba au milieu de terrain. Et pour finir, c'est tendu. L'occasion de prendre l'avantage. Attends, je vais voir sur mon équipe là, frérot. Lui, la compo, mec, là, elle n'était pas comme ça. Ah si, mais je crois. Oh, on peut même pas déplacer. Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Allez, un changement dans cette équipe, Pierre. Firmino fait son entrée, redoutable dans le camp adverse. Le joueur break. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras.
Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match, à mon avis. Oui, il aime bien évoluer dans l'entrejeu. Roberto Firmino. Oh, oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli. Mais ce qu'il a qu'est-ce fait. Que je loupe là, frérot. Qu'est-ce que je loupe, putain. C'est le Vergangoula. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Ah ouais, c'est bien fait ça. Messi. Ils reprennent possession du ballon. Roberto Firmino. Oh là là, l'occasion. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. On revoit ce superbe coup d'œil du passeur juste avant ce but. Ah, tout part de là, en effet, c'est vraiment allez, une passe qui, comme son nom l'indique, est décisive. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Et quand je fais une draft, putain, c'est pas, c'est, peut-être c'est mon bien. Équipe comme un gros teubé. Roberto Firmino. Lee Chun-Yong. Je suis vraiment une grosse salope, moi. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Vas-y, c'est récupéré par la défense. On lui déclarait forfait. Mais si. Roberto Firmino. Pourquoi on faire la draft là? Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. C'est comme un jeu de draft. Pourquoi j'ai pas mis. Pourquoi j'ai pas Messi là? Si j'aurais mis une frappe du gauche. Ah, il est venu lui voler ce ballon. Allez, dégage, très loin. Il va tourner son nu, c'est normal. Ballon d'attaque. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Oh, le but, oui. Et on peut avoir des super plaques. Et je dis pas non. Et tout est parti de ce contre avec. Bon, les gars, là, c'est de la drague. Je fais un match aujourd'hui. Après, je fais un autre match. Après, je finis. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. 2-0. Ça, les doigts sont trop longs. Voilà. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Un ballon récupéré par l'adversaire. Firmino. Un joli coup d'œil de Firmino. Belle passe en profondeur. Ah oui, le bon ballon là. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Bon, les gars, je dis que je mets un 10-0, franchement. Ah, 10-0, ça me tente. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Je suis pour un 10-0. Oh là là. Firmino, toujours balle au pied. Ah, un joli coup là, je suis en vidéo, Firmino, mec. Belle passe en profondeur. Oh, l'occasion. Je suis en vidéo. Punaise, il m'a quitté. Et là, pourquoi t'as raison, il était qui direct là. L'a frappé, il a été contré. Je suis en vidéo. Paul Pogba. Ah non. Ah bah il est là. Mec, tu sais, je suis en teubé, moi. Je suis tout ça. Parce qu'en fait, tu vois, je fais une draft. J'appuie sur compléter mon équipe. Et ça fait toute la draft. Et moi, j'ai rien touché, mec. À la base, je voulais faire ça tout seul. Ça fait tout automatiquement, mec. Ça choisit les joueurs que je voulais passer. Tout choisi, mec. Je savais même pas quoi faire. Qui est vraiment mal joué, qui est rendu à l'adversaire. Mais comme je suis à teubé, maintenant j'ai même plus de crédit. Je dois attendre au moins. Je dois faire encore des matchs qui durent à chaque fois beaucoup de temps pour refaire des drafts. Encore un but, encore un but. La différence est faite hein, maintenant. Le truc de quoi? Rage, voiture. On comprend pas trop, mais bon. Un but qui permet à cette équipe d'accentuer encore son avance. Ah, 37. Pour empêcher cette équipe de gagner cette rencontre maintenant. Mais non, déjà, ça fait une semaine qu'on l'a fait. Mais tu dis déjà, ça fait une semaine qu'on l'a fait la vidéo. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Allez, moi je dis que je mets un 10-0 là. Même. Continue ça. Ah ouais, superbe, il file au but.
Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, on a bien l'impression, comme quoi ça se joue pas grand chose parfois. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalité. Ah non, pas de soucis, là, sa tête. Ouais, on verra bien. Manque de conviction, peut-être. Vraiment, gros fils de pute, moi. Mec, ils étaient tout contents et tout, je vais faire une frappe. Et là, j'appuie sur la mauvaise touche, comme d'hab. Un joli coup d'œil de Firmino, belle passe en profondeur. Finalement, ça ne donne rien. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, le ballon dangereux. Mec, ça fait déjà 5-0, mec. Je suis même pas à 45e minute, ça fait déjà 5-0. Mec, comment... Attends, mais mec, quand t'as fait la règle 3000 points, quand t'es à 3000... C'est partie du match, et ça commence vraiment à se refléter au tableau d'affichage. Désormais, l'écart est très très net. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Mais c'est pas un bug, mec, on peut changer notre PC, c'est vraiment, on peut vraiment changer. Non, mec, j'étais sur mon PC et tout. J'étais sur un PC portable, je vois Fortnite. Je vais les paramètres, je vois FPS. Je bah, peux 30 FPS, 30 FPS, 140 FPS, 240 FPS, et après, je sais plus. 145 FPS, je sais plus. Donc, on peut vraiment changer les FPS. Ah, mais par contre, dans une vidéo, j'ai appris qu'il faut pas changer les FPS si t'as pas un droit. Mais pas de 240R, alors t'as un ordi portable. Le but de Roberto Firmino. Ah, c'est pas le plus maladroit face au but, c'est sûr. Ah, c'est quand même un peu humiliant pour toute une défense de se faire passer en revue comme ça, même si on ne peut qu'admirer la technique et le sang-froid du buteur sur cette action. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Et je m'en fous. Mec, dans 4 jours, je commande une carte PSN à 20€, même si mes parents ils veulent pas. Je m'en fous, je prends une carte PSN à 20€. J'achète 1000 V-Bucks, l'époque Flavia. J'achète 300 points FIFA et je me refais la draft. Mec, avec une carte PSN, tu me fais tout ce que tu veux. Et ça fait maintenant 6-0. Quelle raclée. Bah, tu vas avoir quoi? Les Chongyang. Under. Et là, parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. De quoi? Espace. Mais j'ai pas dit que j'allais pas lui demander. C'est même lui qui va l'acheter. Mec, tu comprends rien, toi. Mais si. Attends, mais à si. Quel moment? Attention, à quel moment? Je lui ai dit à quel moment? J'ai dit que j'allais pas le dire. À quel moment j'ai dit ça, mec? À quel moment? À quel fucking moment j'ai dit ça? Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes, 3 minutes de temps supplémentaire. Je peux même pas parler. Roberto Firmino. À part dire caca pipi, je peux rien dire. Firmino. Voilà, c'est chaud. Il y a deux minutes, tu rigoles, t'es un bébé, frère. Tu rigoles juste parce que je dis caca pipi. Allez, tu rigoles. Mais le danger est écarté. Mais c'est normal que t'es un bébé, c'est normal que c'est marrant. 6-0 à la mi-temps, je sais pas si j'avais déjà vu ça dans ma vie. Les gars, mec, il a 9 ans, il rigole encore. Oh, caca. Voilà un joueur que l'on voit décidément beaucoup dans ce match. On le voit avec ses statistiques. Roberto Firmino. Imagine un peu, mec, je me fais copyright. C'est reparti pour 45 minutes. Ça va être choquant pour les gens, mais je sais même pas ce que c'est. Ah oui, j'espère. Sinon, c'est moins intéressant à suivre. Johan Cruyff. Oh, c'est bien donné en profondeur. Firmino qui peut créer le danger. Il en a le talent. La défense a eu chaud, c'était une belle occasion. Et attends, d'ailleurs, t'as joué avec quelle personne pour faire autant de points? Alexander Arnold. Et tu me dis son pseudo et je l'invite et je le menace s'il veut pas jouer avec moi.
prend sa chance. Et il a FIFA. Oh, il joue à FIFA. Occasion pour Paul Pogba. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois. Hein. Eh oui, bien défendu. Ah. Il a coupé la ligne de passe. Moi, mec, j'ai qu'un ami. J'ai que trois amis que je connais dans la vraie vie. Les Chunyang. Et bien sûr, ceux que je connais dans la vraie vie jouent pas à Fortnite. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Regarde, j'avais un cousin, je jouais H24 avec lui, je faisais des lives de. Un jour, mec, j'ai fait un live de 7 heures, je crois, avec lui, sur Fortnite. Mec, on était. Mec, tu me donnes. Par exemple, tu me donnes 100 amis. VS, mec, mon cousin, mec, il choisit direct mon cousin. Qui a été dévié et qui sort en touche. Mec, tu me donnes 1000 amis, tu me donnes toi dedans, mec. Je choisis quand même mon cousin. Trop sympa, mec. Le mec, il joue plus parce qu'avant, contre lui, mec, j'étais un noob. D'accord, tu vois, et maintenant, j'ai pratiquement le même niveau que lui. Du coup, j'aime trop jouer avec lui. Oh, c'était important de faire ce tacle. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. C'est Manzaler. Bon, par contre, on. Désolé, mais on dirait qu'il est dans une flaque d'eau. Peut-être partir en contre. Ouais, le contre en restera. On dirait qu'il mange des limaces. Il retrouve Johan Cruyff, bien sûr. Allez, ah ouais, mais regarde, mec, il laisse de l'espace. C'est trop facile. T'es mort. Et c'est au fond. Ah, si les défenseurs ne le connaissaient pas. J'aime tous les matchs du match. C'est son troisième but, personne. Alors, on voit son troisième but dans ce match. Ouais. La défense n'a toujours pas trouvé la solution contre lui. Hein. Oh, il est en train de faire un récital. Oh, bébé Kaké, il a quitté. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Vous avez l'impression qu'il en fait dans une flaque d'eau. A été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Mais j'ai une idée, mec. Il a allumé sa flèche chez lui, il est sorti dehors avec son micro, il a rejoint notre partie. Non, en fait, toi, il devait juste appuyer sur le bouton X, rejoint notre partie. Lui, il est allé dehors, il a fait ça, et boum. C'est sûr, mec, qu'il avait un VPN. Il a inscrit en deux temps, Pierre. Premier ballon repoussé, hein. Il peut garder un passage. Tu sais ce que c'est, un VPN? Ils enchaînent les buts aujourd'hui, hein. Ils sont en pleine réussite. Pour l'adversaire. Mec, un jour, je veux trop aller sur Deep Web. C'est ce que c'est? Décidément, c'est vraiment, hein. C'est le web. Tu as des choses bizarres. En fait, il y a des gens qui, quand ils vont sur ce web, le lendemain, on n'entend plus parler d'eux. Firmino. Attention, attention à Firmino. Et ça fait but. Il a réussi le triplé. Manifestement, la défense n'a pas pu. Les gens, ils abusent sur les histoires d'horreur. Dark web, deep web. Ils abusent. Et plus rien ne l'arrête. Hein. C'est déjà son troisième. Mais tu dis dark web, frère. Il y a quelqu'un qui regarde un stream ou quelqu'un. Quelqu'un se fait tuer, mec. Il dit qu'après, ils vont cambrioler celui qui a regardé ça. Après, ils vont tuer. Quelle démonstration de cette équipe. C'est vraiment impressionnant. Number 10. Je te jure, avant, quand j'étais petit, j'avais tellement peur des histoires d'horreur. C'est mon dialogue. Je te jure, mec, je regardais une fois Annabelle, je regardais un petit extrait. Mec, la nuit, je dors pas. Hein. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Une seule fois dans le noir, mec, quand j'avais 5 ans, mec, je dors pas non plus. Ouais, peut-être. Mec, quand je suis dans le noir, moi, mec, je vois plein de trucs, je vois des Annabelle et tout, frère. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est avantage. Avec un tir. Et le but de Roberto Firmino. Mec, ça fait déjà 10-0, ça me fout. Ah, c'est bien sûr toujours un moment de. Et après, c'est dans un sur Fortnite. Ils ont fait un concours. Il faut l'accepter, c'est les choses qui arrivent. Ils enchaînent les buts aujourd'hui. Hein. Ils sont en plein. J'ai même pas sorti la vidéo des contours des buts. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Ça sort oui, ou pas? Il n'y a pas photo sur le papier, il n'y a pas photo sur le terrain. Regardez. Oh, frérot, 11-0. Non, c'est trop. Le but. Est-ce que je sors la vidéo de concours des buts? Le but qui intervient suite à une première intervention. Ça, c'était quand il m'avait battu. Mec, j'avais fait. Attends, moi j'avais fait un 6. Mec, toi, tu. Non, j'avais fait, je sais pas combien, j'avais fait un 3, je crois. Toi, t'avais fait un 10, genre t'avais perdu. Moi, j'avais fait un 3. Donc, du coup, j'avais 6 minutes. Et toi, mec, t'arrives, tu fais 7, mec. T'avais fait que 3.
Il a mon grand mec qui est passé là. Ce but comme il se doit. Quelle démonstration cette équipe. Mais il a mon grand, c'est facile à faire. Tu dis, oh là, il a mon grand. On est face à une équipe qui est quand même en manque criant de fond. Non, qu'il est nul. Il fait la mongra. Collectivement, on n'arrive pas à trouver des solutions. Oui, et du coup, les résultats nécessairement. Ah ouais, mais même en mieux pour la faire parce que c'est trop facile. Un joli coup d'œil de Firmino, belle passe en profondeur. Ah oui, il l'a bête. 12-0. T'es sûr, il a dû en mettre des plus difficiles. Hein. Celui-là était vraiment très simple. Bon, allez là, par contre, 11-0, c'est plus amusant. Techniquement, c'est très bien exécuté. Bon, pas si réprochable aussi. Hein. Ils enchaînent les buts aujourd'hui. Ils sont en pleine réussite. Disons que je suis en vidéo là, mais qu'on parle normal. Décidément. Et frérot, non, mais mec, avant, mec, au semi-pro, mec, je galérais, mec. En semi-pro, c'était ex aequo avec moi. Non, mec, en semi-pro, mec, je mettais 13-0, frère. Oh, mec, en semi-pro, je mettais tout le temps des 2-2 et tout. Mais il me battait. Attends, mec, je mettais 12-0 en semi-pro. Le gardien ne pouvait. Allez, vivement la fin du match là que je te rejoins. Pour le gardien. Ouais, petit filet. Punaise, mec, je vais mettre un 15-0. Ça, je le dis. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Non, mais là, c'est noob extrait. Non. Attention, là, c'est impossible. Non, là, c'est noob extrême, frérot. Cette occasion. Là, les joueurs, c'est vraiment. C'est plus. Non, c'est encore plus en bas de noob, ça, mec. En bas de noob, c'est quoi déjà, Roro? En bas de noob, c'est quoi déjà, Roro? En bas de noob. Ah, la bonne qualité de ses passes. En bas de noob, c'est quoi? Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le noob. Après, il sera noob. Qui est très compact. Bien dégagé, hein, ce ballon qui était dangereux. Extrêmement noob. Roberto Firmino. Allez, Messi. 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 Tu connais Messi? Qui connaît pas Messi? Tu connais pas Messi, tu ne pas sur notre planète, ok ballon. Il donne un petit peu d'air à sa défense. Ah, tu ne veux pas sur notre planète. Avec Johan Cruyff. Roberto Firmino. Oh, un joli coup d'œil de Firmino. Belle passe en profondeur. Non. Oh, but. Ah, il n'avait plus qu'à conclure. C'était vraiment à bout. J'ai frappé mon fils. Oh, regarde, tu te dis les minutes. Très confortable à l'approche de cette fin de match. Au moment tu te dis, viens, mec, tu es à 90e. Ça, il ne reste plus que 3 minutes à jouer. Allez, vite, faut pouvoir être le 15e. Je suis là, mec. Qui est rendu au camp adverse. Je crois d'avoir les crowds. Dis-moi, quand tu fais une partie de draft, après, allez, tu fais ton match. C'est le moment. Dis-moi que t'as tes récompenses. Ou... Heureusement qu'il était là. Allez, mec, 90e minute, 3 minutes de plus. Mais c'est pas les vraies 3 minutes, t'inquiète. Ah, il est bien parti ce corner. C'est normal, mec, que sur le stade il y a des voitures. Là, mec, là sur le stade, mec, je vois un truc blanc et dessus il y a une voiture noire. Qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Il s'est manqué, il y a danger. Ah, même ça, il ne met pas un semi-pro. Des canons, c'est quand. Léon autour du terrain de football. Qui nous régale, hein, de jour en jour, de semaine en semaine, de non, jour en mois. Demain, mec, t'as Atlantis, t'es content regarder, hein. C'est le meilleur joueur du monde. Voilà, c'est terminé. Demain, il y a Atlantis, la ville d'en commun. Allez, attention, voilà. Sur la poche du but adverse. Je te le jure, sur la ville. Je te jure, demain, il y a la ville d'en commun. Oh ouais, première victoire, ça me met... Oh, 14-0, normal. Moi, je mets des 14-0. Moi, je mets pas des 14-0. Oui, moi, je mets des 14-0. Voilà. Attends, rassure-moi, est-ce que j'ai une récompense au moins? Même pas de récompense. Et super, j'ai même pas une récompense, hein, tu sais. Ouais, c'est la fin de la vidéo.